Bonjour mes choupies, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un haul action. Allez, on commence tout de suite par le premier article. Ceci, ces petits peignoirs comme ceci, enfin peignoirs, je ne sais pas si on peut appeler ça peignoir, mais en tout cas, voilà. Sortie de bain, oui. Alors j'ai pris vert amande, le premier. C'est unisexe, hein, comme vous pouvez le voir. Je vais le poser là. Et je l'ai pris également en rose. Je l'ai déballé comme ceci, en rose. Voilà. Donc, c'est élastiqué dans le dos. Et ensuite, vous avez plusieurs crans avec plusieurs boutons transparents. Et voilà, vous resserrez. Voilà, selon l'ouverture que vous voulez, si vous le mettez à la taille ou au niveau, moi je le mets là, hein, au niveau de, au-dessus de la poitrine. C'est sympa, j'aime beaucoup, je vais pouvoir les laver pour pouvoir les tester. Ça c'est clair et net. Ensuite, une petite chose comme ça, j'en ai déjà plusieurs, quand ils ne sentent plus, je les garde en décoration dans ma voiture. J'aime bien. Ça m'amuse. Je trouve ça fun. Voilà. Alors là, je l'ai pris noir. C'est le petit bonhomme. Et il sent black velvet. Bon. On verra bien. Mais en tout cas, voilà. Ça, j'aime bien. J'ai enfin trouvé ça. Voilà. J'en avais un. Un vieux coucou depuis des années et j'avais vu passer ça sur des chaînes YouTube ou sur TikTok et il n'y en avait jamais dans mon action parce qu'en fait je pense que c'était tout le temps en rupture quoi, ça partait tout de suite. Et là enfin je l'ai, la petite tondeuse à bouloche pour les pulls, les manteaux, etc. Donc ça c'est déjà validé d'avance puisque j'avais déjà quelque chose de similaire et j'en étais très contente. Voilà. Ensuite, j'avais déjà testé le café en grains de chez Action. J'avais pris le paquet de 1 kg. C'est validé. Sauf que là, il y avait plus de 1 kg. Donc, j'en ai pris 2 de 500 et j'ai pris un peu plus fort. C'est la marque Palazzo. Et là, du coup, j'ai pris plus fort parce que je le trouvais un peu léger. Donc, voilà. Ça, c'est validé au niveau prix. Tout ça, c'est top. J'ai repris ceci, les gouttes auto-bronzantes de, voilà, qui font chez Action. Et oui, j'en avais déjà acheté, je vous les avais présentées. Sauf que ma fille est passée par là et me l'a prise. M'a pris le produit. Donc, elle l'a testé. Je peux vous dire déjà d'avance qu'elle, elle l'a validé. Elle m'a dit que c'était très très bien. Donc, je me le suis racheté, bien sûr. Voilà. Et oui, c'est ça d'avoir une grande fille. Elle regarde mes vidéos et dès qu'elle voit quelque chose qui l'intéresse, elle passe à la maison et me les prend. Ben oui, voilà, ça c'est... Ben c'est quand même plus simple, hein. Et oui. Ensuite, ceci, je l'ai enfin trouvé. Alors, c'est pas pour me parfumer parce que je ne sais même pas ce que ça sent en fait, honnêtement. C'est parce que le flacon est joli et que je veux me mettre en déco dans ma pièce où il y a ma coiffeuse en fait, tout simplement. Bon, c'est un parfum à la base, présenté sous forme d'ananas. Est-ce que ça sent l'ananas? J'en sais rien. Alors, hop. Alors, c'est un parfum qui fait 90 ml. Voilà, qui se présente comme ceci, qui est super joli. Et que je trouve qu'en idée déco, c'est plutôt sympa. Alors, qu'est-ce que ça sent? Oui, ça sent pas l'ananas en soi, mais c'est très jeune, fruité, sucré, ultra sucré. Donc ça, c'est pas pour moi. Mais voilà, petit objet déco que j'aime bien. Donc voilà, ça, c'est pour Bibi. Ensuite, ceci, un petit bougeoir comme ça, avec le haut doré dans les tons de rose. C'est pas pour l'utiliser comme bougeoir, je vais mettre dedans mes pinces à épiler. J'en ai plusieurs et je suis tout le temps, elles sont dans un grand pot à crayons et j'ai du mal à les récupérer. Donc voilà, il me fallait quelque chose de moins haut, donc ça, ce sera pour mon pot
j'allais dire à mon pot à crayon, pour mettre mes pinces à épiler. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai pris des piles, comme ceci, des toutes petites, des AAA et des AA, voilà. Et j'ai pris également deux bougeoirs comme ça, enfin deux bougeoirs, deux lampes qui vont aller sur nos tables de nuit dans ma chambre. Voilà, vous avez une ampoule comme ceci dedans et vous pouvez mettre deux piles AAA. J'en ai déjà mis deux, voilà, ça fait ça. Très sympa, j'aime beaucoup, c'est un petit côté vintage, rétro, que j'aime beaucoup, beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup ce style. Ensuite, j'ai pris, que je vous dise pas de bêtises. Alors, j'en avais pas besoin, je vais vous dire honnêtement. Sauf que, quand je les ai vus, vous allez voir, c'est des pépites. C'est la pépite de la vidéo. C'est housse de coussin, fourrure, regardez-moi ça. Mais elles sont, mais d'une douceur. Mais c'est, oh. Et l'envers est en velours doux, comme ceci. En tout doux, tout doux. Franchement, alors il n'y avait plus qu'une, comme ceci, beige. Et deux, il en restait deux comme ça, un peu plus beige, plus soutenu. Non mais regardez, je voudrais... Non mais, oh, c'est extra. Donc, il en restait deux comme ça, j'ai pris deux comme ça. Si j'en retrouve une beige claire, je reprendrai également beige claire. Ça, c'est la pépite. Si vous les avez dans vos actions, pardon, allez-y, foncez. Top, 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 top. Et du coup, j'ai pris trois housses comme ça, trois coussins. À habiller comme ça, 45 par 45, ouais c'est ça, j'en ai pris 3, parce que c'est des coussins 45 par 45, ils sont fermés par une fermeture éclair, franchement, ils sont trop 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 jolis, ça vous fait des coussins pour pas cher du tout, franchement ça c'est top. Et bien voilà, j'ai fait le tour de mes petits achats de chez Action, j'espère que ça vous a plu. Si vous passez par là, mes choupis, bah, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Likez ma vidéo, bien sûr, si ça vous plaît. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.